Monsieur Gouin, présenté par Charles Argent, quintet de jeudi, il reste sur une 11e place à Saint-Cloud. Ouais, ce jour-là, il n'avait pas bénéficié du meilleur des parcours, à savoir que c'est un cheval avec qui il faut attendre. Il n'avait pas un très bon numéro, on s'est retrouvé très loin. Et bon, le jockey, voulant essayer de se coucher un petit peu en face, s'est retrouvé piégé en épaisseur dans le dernier tournant. Le cheval a fait un très bon bout, toute la première partie d'une droite, mais il a payé des longueurs. Il a fait en plus quand même le nez au vent. Oui, c'est pas Un évident. dernier tournant. Voilà. Il a rendu service au gagnant. Oui, il Il a. avait pris sa roue, mais lui, il a coincé à 100 mètres du poteau. C'est surtout une question de déroulement de course. Oui, il a ramené le wagon à l'extérieur, en effet. Voilà, exactement. Bon, avant Bon, cela. sa course n'était pas mauvaise pour autant. Il n'a pas de marge, certainement. Il avait pris 3 dixièmes de pénalité sur sa dernière victoire avant d'en réclamer. Mais à domicile, il mérite qu'on retente le coup. Ça peut faire plaisir à son propriétaire de le voir courir à domicile. Donc, plutôt de retourner sur les réclamés tout de suite, où on prend beaucoup de surcharge, et retente sa chance. Ouais, d'autant qu'à Lyon, 3 victoires en 4 sorties, et encore la quatrième, Voilà. c'était un groupe 3. Absolument, absolument, oui. Il fait très très bien ce parcours-là à Paris, ça fait aucun doute. Donc en conclusion, pas de marge, mais il connaît, voilà, l'avantage de connaître l'hippodrome, quoi. Voilà, un bon parcours, une petite place à sa portée. C'est un D'accord. cheval qui est quand même très très régulier. Quant au terrain, pour lui? Ah bah, plus c'est chaud que c'est quand même. Pas dans tous les terrains, mais Il fait beau chez vous. c'est un terrain souple. L'idéal, c'est une piste souple à très souple. D'accord. Lourd, je sais pas, mais c'est un cheval un peu souffreteux. Il est quand même plus à l'aise sur une piste bien souple. Cela dit, ça annonce grand beau temps, hein, Oui, d'ici jeudi. bon, bah, espérons qu'il sera bien arrosé. Il suffira.